Voici le M302 DJI, donc c'est un drone dédié aux professionnels. Il est conçu pour les missions d'inspection, des missions de sécurité et de surveillance. D'après les spécifications, il peut voler à plus de 80 km/h et supporter un vent de 15 mètres par seconde, soit 54 km/h. Son indice de protection est IP45, ça veut dire qu'il résiste à l'aspersion de liquide et donc, en principe, il peut voler sous la pluie. Sa masse maximale au décollage est de 9 kg, il peut emporter une charge jusqu'à 2,7 kg, et puis tout replié, il tient dans un cube de moins de 43 cm de côté. Donc on va essayer ensemble. Donc effectivement, ça fait un ensemble facile à transporter et assez compact, et on va voir que ça tient dans une valise bien robuste. Donc là, pour les professionnels, c'est tout à fait adapté. On a toujours le M210 qui va rester très adapté aux travaux cartographiques avec des capteurs performants dans le visible. Le M600 Pro, plus conçu pour emmener des charges lourdes. Ça peut être aussi bien une caméra type RED avec le stabilisateur Romain MX qu'un gros lidar ou des équipements adaptés à la recherche. Enfin, on a le M300, le nouveau M300. Lui, il est fait pour l'inspection, la sécurité, la surveillance avec une bonne autonomie, une capacité à voler sous la pluie et également la possibilité d'être piloté par plusieurs opérateurs distants. Le Matrice 300 est compatible avec un certain nombre de nacelles, les XT, hein, les anciennes XT, XT2, XTS, également la Z30 qui est la caméra zoom. Et puis là, pour ce nouvel appareil, DJI propose deux nouvelles caméras, H, donc comme hybride, H20 et H20T. Alors le 20 signifie 20 mégapixels sur le capteur vidéo, et puis le T signifie thermique. La nacelle combine plusieurs capteurs. Sur la H20, donc on a une caméra 20 mégapixels, une petite caméra FPV, et puis un laser qui va permettre de mesurer la distance précise d'un objet qu'on pointe, et on pourra même en déduire sa position géographique précise dans l'espace. Et puis côté H20T, là on a en plus, le T comme thermique, on a en plus un capteur thermique. On va pouvoir switcher des différentes caméras. On a une caméra FPV qui n'est pas tiltable cette fois-ci comme on avait sur les précédents modèles. C'est une caméra fixe, grand angle, qui est un peu, qui est au-dessus des hélices, c'est pour ça qu'on les voit dans le champ. Et les différentes caméras qu'on monte, par défaut, il y a une fixation nacelle qui est livrée. On peut la changer par une double inférieure ou une supérieure. Et on switch assez simplement d'un mode à l'autre, de wide à IR et de zoom à wide. Chaque caméra qu'on a à l'écran, on va pouvoir les paramétrer dans les prises de photos. On a accès au zoom à partir du moment où on est sur la caméra zoom. On peut repasser sur le wide très rapidement pour situer la position de l'aéronef. On va, avec effectivement le petit laser qui est accolé à la caméra, positionner cet objet sur la carte. Mmh. Et sur la carte, on voit l'objet qui est positionné. Donc ça marche sur une cible en mouvement aussi. Ça permet d'avoir les coordonnées X, Y et Z de l'objet qui s'affiche en bas à gauche de l'écran, au-dessus de la petite carte. Donc on est à 87,4 mètres en direct de l'objet, qui a une position X, Y qui est affichée, 45, 23, et 5,88, et on est à 16 mètres de hauteur sur cet objet. Donc ce télémètre, il permet de mesurer une distance très précise à un objet qui est au sol, et puis de renvoyer la position de cet objet. Donc ça, c'est une fonction très intéressante aussi pour des applications de sécurité ou de surveillance. Donc là, on va fixer Julien, qui est donc à une distance de nous de 30,7 mètres et à une altitude de moins 12 mètres par rapport au drone. Okay. Je pars du zoom optique x2, hop, zoom optique x5, zoom optique x10, x20, donc avec 23 qui est le maximum, et après on passe donc dans le zoom numérique, 40, 80, 160 et 200,
où on est au maximum. Donc on peut passer à la caméra infrarouge, bien entendu, diviser notre écran en deux, si on veut en parallèle le thermique avec le visible. Et on peut, bien entendu, gérer les palettes de couleurs. Si on cherche à identifier un animal en forêt, on va peut-être être plus pertinent avec une palette différente. Côté pilotage, aucune mauvaise surprise. Hein. Ce n'est pas parce qu'un drone est plus gros qu'il est plus difficile à piloter. Au contraire, on le voit très bien dans le ciel. Donc déjà, il y a un ensemble de capteurs anti-collision omnidirectionnels qui fonctionnent très bien. On voit que de toutes parts, dès qu'on a un objet, il le détecte et il vous alerte. Et puis d'autre part, sur le pilotage, il est malgré tout bien réactif aux commandes. On voit qu'il a une bonne patate, il peut monter fort. Et puis aussi, on voit que sur les arrêts après une translation, il est assez efficace, il s'arrête de manière assez courte. Donc j'ai trouvé les sensations de pilotage très bonnes et puis très performantes. Donc là, je retrouve les comportements de chez DJI. Pas de mauvaise surprise de ce côté-là. Voici la radiocommande qui est livrée avec le M300. Donc, ce n'est plus l'ascendance avec son gros écran. DJI a repris le concept du smart controller qui a été amélioré et professionnalisé dans ce cadre-là avec un écran intégré. Le protocole de transmission s'appelle OQ-Sync Enterprise. Donc en gros, ça reprend le nom marketing du protocole de la gamme loisir, avec un protocole qui est présenté comme étant plus robuste avec une portée annoncée de 15 km. Et puis fonction intéressante, c'est qu'on peut avoir deux opérateurs, deux pilotes qui sont situés à des positions différentes, chacun l'émetteur, et ils peuvent prendre le relais sur le contrôle de l'appareil. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour les futurs scénarios S2 européens où on pourra avoir deux opérateurs qui se relayent sur le pilotage du drone et comme ça couvrir des distances plus importantes. Côté batterie, on a deux packs, un de chaque côté, qu'on peut même remplacer à chaud, c'est-à-dire sans mettre l'appareil hors tension. Voilà, je vais en retirer un. Donc c'est de la belle batterie, c'est un pack qui contient 274 Wh. Donc en tension, on est sur du 12S. Alors pourquoi du 12S? C'est tout à fait logique par rapport à la masse de l'appareil, hein, puisqu'on est à 9 kg. Et ça permet d'avoir la puissance nécessaire et de ne pas augmenter les courants à l'intérieur du drone. Toujours sur l'aspect énergie embarquée, les batteries sont auto-chauffantes. Et l'autonomie à vide est annoncée à 55 minutes, mais c'est pas vraiment la situation dans laquelle on sera fréquemment. Donc quand on a une charge, entre la charge min et max, on est plutôt entre 30 et 45 minutes de vol, ce qui est pas mal. Pour charger les batteries du M300, donc on a cette valise qui permet en même temps de les stocker et qui fait également office de chargeur. Donc voici l'intérieur. Donc là, à cet endroit, on a 8 logements pour les batteries du M300. Et cette valise, elle va être connectée tout simplement au secteur. Et ça va automatiquement assurer la charge de tous nos packs de batteries. Donc ça gère la charge des batteries du drone, mais également des batteries additionnelles de la radiocommande. Toujours au sujet des batteries, pour la radiocommande du M300, on a une batterie interne, mais en plus on peut augmenter l'autonomie en rajoutant cette batterie additionnelle. Dans les autres options disponibles sur ce M300, c'est le GPS différentiel RTK. Donc là on voit qu'il en est équipé, il y a deux antennes ici. Et donc c'est le GPS différentiel RTK qui permet d'amener une précision de localisation centimétrique. Au passage, le fait d'avoir deux récepteurs, ça va pouvoir fournir un cap à l'appareil et remplacer le compas, le classique compas magnétique.
ce qui va permettre au drone d'évoluer dans des environnements plus perturbés du point de vue magnétique. Donc ça, on le voit avec les drones classiques, quand il y a des perturbations électromagnétiques, parfois le compas s'affole. Et là, grâce au DRTK, on peut avoir l'information de cap et être robuste en toutes conditions. Et pour ceux qui ont déjà la balise du M200 V2, vous pourrez la réutiliser moyennant des mises à jour. On va tester la fonction Smart Track dans laquelle Stéphane joue le rôle du voleur et on va bien entendu le cadrer avec le drone. Donc l'algorithme par reconnaissance d'image a bien reconnu Stéphane. Le drone va garder son zoom et la position de Stéphane dans l'écran ainsi que son évolution pour le suivre. Donc là on voit que quand il se met en mouvement, la caméra à la fois garde son zoom mais aussi positionne le drone de façon à garder Stéphane dans l'écran. Donc là, on va forcément le perdre. C'était rusé de passer sous un bâtiment. Donc le drone reste en recherche. Et dès que Stéphane ressort, paf, on le retrouve dans l'écran. On lui laisse aucune chance de s'échapper. Côté application, là aussi DJI a beaucoup travaillé sur l'applicatif en amenant des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, pour le tracking d'objets, on peut voir le M300, il est capable de suivre un sujet très loin et puis de rester accroché à lui. Des fonctions où on va pouvoir répéter des missions déjà effectuées, donc ça c'est pratique. Si on veut, dans un contexte industriel, reprendre tous les jours les mêmes vidéos, tous les jours les mêmes photos. C'est un point fort aussi du M300, c'est pas que l'aspect hardware, il y a aussi tout un aspect logiciel qui a été vraiment travaillé par DJI. Le mode photo en grille, on va définir à partir de la caméra wide, on va sélectionner la zone sur laquelle on veut intervenir et définir un niveau de zoom, ce qui va nous donner un nombre de photos. On voit en haut à droite là, donc 63 photos avec un zoom x15, donc on aura 63 fois la résolution d'une photo sur cet élément. Hop, je vais plutôt me mettre un zoom x10, on va rester sur un nombre de photos acceptable et hop, on démarre la prise de photo. Et donc là, la caméra zoom va se mettre au zoom x10 et générer la pattern de photos qui est indiquée. On voit l'indicateur de progression sur la partie droite, la 45% de la mission. Donc ça, c'est des assistances à la prise de photos et à la gestion du vol qui vont être fort utiles en inspection, puisqu'on va pouvoir gagner énormément en résolution sur une photo assemblée à partir de 25 photos, bien entendu. En repassant sur la page d'accueil, on a une fonction qui est très intéressante et nouvelle pour l'interface DJI. C'est une gestion des erreurs et des diagnostics sur l'ensemble du matériel à la fois connecté et interne à la machine. On retrouve tous les éléments liés à la propulsion, l'avionique, les systèmes de sensors, la transmission d'images, bien entendu la nacelle. Le gros avantage de tout ça, c'est qu'on va avoir, en fonction des erreurs signalées, une remontée d'informations sur ce centre de gestion et un lien vers la notice correspondante. Ça nous permet d'avoir tout de suite une vue sur le problème et comprendre quelle est la méthode à mettre en œuvre pour le résoudre. Ça évite aussi la gestion fastidieuse d'un manuel d'une centaine de pages en papier. Donc là, tout est intégré là-dedans et on va arriver directement au bon endroit sur la notice pour régler notre problème. Avec l'application, comme ça, on peut définir une zone de captation en faisant glisser les extrémités d'un polygone. Et puis, on va choisir la hauteur afin d'avoir la résolution attendue. Donc ça, c'est bien d'avoir intégré cette fonction dans l'application du drone. Et puis ça garantit une bonne intégration entre le M300 et la solution logicielle. On vient de terminer cette présentation assez rapide du M300 de chez DJI. On peut dire que ce produit se positionne assez bien entre le M210 et le M600, sachant que lui, il a vraiment été conçu pour des missions d'inspection, de surveillance et de secours, pour lesquels il a un certain nombre d'avantages, une bonne autonomie, une bonne ergonomie, une grande facilité de mise en œuvre, et puis également une capacité à voler dans des conditions météo assez variées avec sa protection IP45. De plus, dès sa sortie, ce modèle nous paraît
beaucoup plus abouti et fiable que les précédents. Et puis le niveau de bruit reste assez faible malgré la masse de l'appareil. Merci à Nicolas et l'équipe d'Escadrone qui nous a accueillis toute une journée pour découvrir ce nouveau matériel et ce qui a rendu possible cette vidéo. Merci pour le soutien à la chaîne et à bientôt sur Paladrone.